Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 et non pas le 4 de l'aventure suivie de Summoner War parce qu'en fait il s'est passé un petit souci dont je vais vous parler. En gros j'ai tourné l'épisode 3 l'autre fois à la suite du... comment dire, de l'épisode 2. Et il s'est trouvé que en fait je me suis trompé de scène sur mon logiciel, du coup ça a enregistré... uniquement ma voix en fait sans la vidéo pendant 30-40 minutes. Donc du coup quand j'ai vu ça je me suis dit merde, fais chier, je vais devoir recommencer. Mais le souci c'est que j'ai avancé un petit peu dans le jeu. Bon, j'ai pas énormément avancé, mais comme il s'est passé quand même 6 jours depuis l'autre vidéo, même 7 je pense, je me suis connecté tous les jours, j'ai reçu les bonus de, comment dire, de connexion. J'ai regardé s'il n'y avait pas des trucs sympas dans le shop, on va encore le faire avec vous. En fait, j'ai acheté à chaque fois les vélins inconnus. Et quand il y avait un perso 2 étoiles sympa, genre par exemple le Cerbère, je l'ai pris. Comme on avait beaucoup d'avance. Et alors, avec comment dire, l'event qu'il y a pour le moment, eh bien, on a reçu 2 vélins mystiques. Donc, ce qui est super bien. Et alors, des points sociaux, je suis au max. Donc, je peux faire 10, 16, 18 invocations. Donc, on va commencer par ça. Je vais juste vous montrer un petit peu où on en est. Donc, on a fini le scénario donc, de la forêt de Garenne, du Mont 6, de la rune de Kabir. Et on est au premier de la montagne blanche de Ragon. Et alors, ce qu'on a fait, on a essayé de runer, entre guillemets. Voilà, on a reçu en plus un Angemon pour faire passer les persos 5 étoiles. On a reçu, enfin, on a reçu, non, on a essayé de runer complètement toute notre team. Ça, on l'a reçu, le chasseur de bêtes, on va l'utiliser. Et le Cerbère aussi, voilà. Donc, on a reçu ces 4 personnages-là. Le chasseur de bêtes, c'est avec un vélin mystique qu'on avait reçu, je sais plus trop quand, enfin, on a reçu un vélin mystique, on avait chopé ça dans l'épisode avant. Je crois qu'il était dans le shop et du coup on l'avait acheté. Bon, ça c'est toutes les merdes qu'on avait droppées dans les comment dire, dans les vélins inconnus. D'ailleurs, ce qu'on va faire directement, on va augmenter la place. Voilà, ça coûte que 10 000. On va le faire 2 fois parce que on va avoir besoin de place. 15 000, on peut encore le faire une fois. Sinon, ça coûte pas trop cher. Moi, je l'ai monté jusqu'à 50 sur tous mes comptes parce que voilà, c'est pas un grand investissement. Là, on va encore le faire une fois. Voilà. C'est simplement parce que quand vous allez ouvrir beaucoup de vélins inconnus, en fait, vous allez avoir beaucoup de trucs qui vont prendre de la place. Du coup, quand vous voulez enchaîner, en fait, vous pouvez pas parce que vous avez plus de place. Du coup, à chaque fois, vous devez améliorer vos persos. Si vous n'avez pas assez de gold, du coup, vous pouvez pas ouvrir leur truc. Enfin, c'est un petit peu un problème en chaîne, je vais dire. Donc voilà, on a le Garuda. La chevalière magique, la fée et le Cerbère, voilà, de runer. On va ouvrir tous nos vélins, nos 18 vélins, comme on avait dit. On a reçu quoi? Oh, nice. Donc voilà, au total, j'ai acheté 10 trucs dans le shop. Et ce que j'ai fait aussi, c'est avec les cristaux qu'on avait, c'est j'ai augmenté, j'ai acheté les trucs. Donc ça, c'est un truc super important au début du jeu, c'est d'acheter tous les slots du shop. Donc ça va vous coûter un peu de cristaux, là je suis d'accord. C'est des vélins en moins que vous allez ouvrir. Mais ça peut être super utile parce qu'en fait, il y a parfois des vélins mystiques qui sont en vente dans le shop pour entre 100 000 et 150 000 de mana. Et du coup, si vous les achetez, ça vous fait économiser pas mal de cristaux. Donc du coup, c'est pour ça. Et alors, au niveau de l'énergie, vous pouvez voir que j'en ai un petit peu stacké quand même. Parce qu'il y a un event pour le moment, on en reçoit assez souvent. Et en plus, c'était hier, je pense, on en a reçu 100, puis l'autre jour, on en a reçu 50. Enfin, je crois que c'est encore dedans, normalement. Et alors, il y a un autre truc. Ah, il y a le nouveau machin d'Halloween. Non, je regarderai après, c'est pas grave. C'est ça, c'est la pluie de cadeaux. Donc, je me suis connecté chaque jour. Voilà, pour recevoir tous les cadeaux. Aujourd'hui, on est au dernier jour, le Vélin Mystique. Du coup, on en a reçu 2. Que vous pouvez voir dans la liste cette semaine-ci. Le booster d'XP, je l'ai toujours, je ne l'ai pas activé, je l'ai gardé pour cette vidéo-ci. Les 100 points d'énergie, on l'a reçu. Les 50 points de mana et l'Archimonde 3 étoiles, on l'a reçu aussi. Vous avez pu le voir dans les mobs qu'on avait. Et niveau de la connexion, logiquement, si je dis pas de bêtises, ça devrait aller bien aujourd'hui. Parce que j'ai fait en fait
des mises à jour et tout ça pendant la semaine parce que j'avais de gros soucis. Là, juste avant la vidéo, j'ai éteint complètement le Wi-Fi pour que ça me redonne une nouvelle adresse IP, des trucs comme ça. Et normalement, là, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de problème de connexion. Bon, en même temps, on est resté sur l'accueil, mais logiquement, ça devrait aller. Donc, on va commencer par une petite sumo de session. On va commencer par les points sociaux. Un fantôme. Donc, tout ce qui est une étoile, c'est de la merde. Hein, on est d'accord. Une harpue, ça c'est bien, mais c'est la feu dont on va avoir besoin. Par contre, ce que je ferais bien, c'est baisser le son un petit peu dans mon casque parce que ça gueule quelque chose de fou. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un champignon. Un autre champignon. Un élémentaire faible, c'est de la merde. Ah! Oh nice! On a eu un mob de fusion! On a eu Lala. Donc ça c'est un bon perso. Parce que ça va nous servir pour faire une fusion plus tard. Donc en plus voilà, elle est déjà éveillée et 3 étoiles, donc c'est pas trop mal. Je pense qu'en plus à la base, enfin niveau. Elle est assez sympa. On va regarder vite fait. Comment les joueurs on la joue. Regardez toujours le plus haut niveau. Donc lui il a fait n'importe quoi. Non il l'a pas. Enfin, je pense qu'on en a besoin pour une fusion. Enfin soit on va le bloquer. Parce que ben voilà, les 3 étoiles au début du jeu, ben, on va les utiliser, hein, on n'est pas con. Voilà, elle est bloquée. Le chasseur de bêtes, on va le bloquer aussi. Parce que voilà, c'est un assez bon DPS feu et au début du jeu, il peut nous servir. Surtout qu'il a un petit passif assez sympa. Ignore la défense de l'ennemi avec 1% de chance de. Avec une attaque. Donc en gros, enfin, si le mec a beaucoup de défense, vous avez 15% de chance que genre ça passe au-dessus de la défense et ça tape brut sur son. Sur ses PV. Donc c'est pas mal. On va continuer. Avec les vénins inconnus. Un fantôme. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, avec nos vénins mystiques, on va sûrement avoir bah, peut-être des 1, 4 étoiles, mais au pire 2, 3 étoiles. On va pouvoir les feed, enfin déjà les faire monter de niveau vite fait avec tous les petits trucs qu'on a eu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller jusqu'au bout. Hein. Un taoïste feu, ça c'est bien. Au début du jeu, ça va fort nous utiliser. Enfin, ça va être fort utile. Et un deuxième 3 étoiles, logiquement. Une Amazone vent. Donc ça, c'est cool. Donc on a beaucoup de... Enfin, d'archers, entre guillemets, j'allais dire. Mais de persos qui tapent en zone, logiquement. Donc ça, c'est bien. On a la chevalerie magique. Alors, ils sont ici. Le Taoïste. C'est un bon perso au début du jeu. Mais il s'essouffle un peu à la fin. Parce qu'en fait, mais il n'a pas énormément de dégâts. Et puis, c'est un 3 étoiles. Hein, c'est ce qui est logique. Et c'est malheureusement le moins bien des Taoïstes. Elle, quand elle est éveillée, ça peut nous servir pour une fusion. Donc, du coup, bah, on va la garder. Et en plus, c'est éveillé. Enfin, ça a l'air assez compliqué. Voilà, tire une flèche perçante, c'est ensuite des dégâts personnels. Max de PV de l'ennemi. Attaque l'ennemi avec. Putain, c'est bizarre, parce qu'en fait j'ai eu la feu hier et la feu elle tapait en zone. Enfin voilà, on sait qu'on l'a. Qu'est-ce qu'on va faire au début? Donc là, on va tout simplement déjà activer notre bonne. Enfin non, on va regarder vite fait en défense ce qu'on a. Donc on a mis ça. Pour dire que genre les gens puissent nous attaquer facilement et pour que la défense on est assez facile. Voilà. Maintenant, on va regarder parce que là on va essayer d'avancer dans le scénario. On va regarder quel personnage on va jouer. Donc comment dire, au début on va toujours garder ces deux-là parce que voilà l'attitude de leader, ça augmente la résistance alliée des 20%, donc c'est très utile, surtout au début du jeu. Ensuite, dans les nouveaux persos, donc on va regarder par rapport aux éléments. Donc c'est vent, eau et vent. Donc les faiblesses, c'est feu et vent. Donc du coup, on va regarder ce qu'on a. Donc on a Lala qui est feu, on va éviter.
Amazon qui est vent, on va la prendre. Et lui qui est feu, on va pas le prendre, mais on va prendre le Garuda. On va essayer d'avancer. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'avancer dans le scénario un maximum. Ah oui, non, j'ai oublié un truc. On avait dit qu'on augmenterait notre taoïste ou quelque chose comme ça. Enfin, soit on monte le support, soit on monte le taoïste. Ce que je me demande si on montrait pas le taoïste, en fait, c'est parce que bah, bêtement, le taoïste tape feu. Et les prochaines zones, c'est beaucoup de persos vent en fait. Donc, du coup, ça peut nous aider, genre à clean plus fort. Après, on a toujours le Cerbère qui est là logiquement pour faire les dégâts. Mais le Taoïste, comme il est. Enfin, c'est un 3 étoiles, c'est logique. Peut être pas mal. Attendez, ce que je vais faire sur le côté, je vais aller sur un petit site qui pourra vous aider vachement. Enfin, moi en tout cas, j'y suis souvent. C'est summonerwar.co. Donc c'est un site avec plein de ressources sur le jeu. Je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, si vous avez des questions sur les persos et quoi, vous pouvez aller voir là. Les gens vous disent si vous devez les garder ou si vous devez les donner à bouffer. Ils vont vous dire à quoi ils servent, comment il faut les runer, avec quel type de personnage il faut les jouer, et tout ça. Enfin, franchement, c'est vraiment un super site. Et il y a un autre site, c'est summonerwar.db, enfin SWDB. Qui est un site, c'est un peu le même genre, mais c'est plus genre ouvert à la communauté. Genre, vous pouvez mettre construire des équipes, vous montrer, genre, moi je joue avec tel perso, tel perso, tel perso, tel perso, avec telle rune, et j'arrive à faire tel donjon, des choses comme ça. Comme ça, les gens, bah, quand ils viennent voir, bah, ils regardent, ah, bah, j'ai la même compo, j'ai jamais pensé à faire ça, ils essayent, puis, ah, oh, super, ça fonctionne. Donc voilà, nickel. Donc là, je suis en train de regarder vite fait si la. Comment dire? Là, qu'elle s'appelle. Parce qu'en fait, dans les fées comme ça, il y a Lulu, c'est la fée comme nous, celle-là, là. Mais là-haut, quand elle est éveillée. Et alors, la feu, là, voilà, elle a une cote de merde, apparemment. Je vais regarder pourquoi. Et puis, de toute façon, on avance ça. Donc, les gens disent qu'il est bon pour le food. Donc, il ne devrait pas servir à grand-chose. Apparemment, c'est un bon healer. Et il est bon pour enlever les effets parce que voilà quand il est éveillé. Enfin, ce qu'il y a c'est qu'il est bien parce que pour nous en fait il est déjà éveillé en fait. Donc du coup ouais, comme support il peut être pas mal en fait. Il peut être vraiment pas mal au début du jeu. Surtout qu'on va pouvoir le monter ses skills assez facilement. Et puis de toute façon au pire il nous servira pour une. Enfin genre si on ne l'utilise pas, on pourra l'utiliser pour. Une autre type, une fusion, ou enfin, non, pas une fusion, une. Non, en fait, je me suis trompé, c'est le vent qui a besoin pour la fusion, je crois. Non, je crois que c'est le. Enfin, soit. Je vérifierai ça une autre fois. Ce qu'on va faire, nous, en tout cas, c'est au début. On va essayer d'avancer un maximum avec les persos qu'on a déjà. Et après. Comment dire? Quand, genre, on n'arrivera pas à aller plus loin. Eh bien, on va essayer de genre regarder ce qu'il faut runer, des choses comme ça, comme on avait dit au début du jeu. Donc, on va essayer d'avancer au maximum. Donc, on va prendre les deux persos qu'on avait dit. Je sais pas. Non, on va pas prendre de lait tout de suite. On va essayer d'aller au maximum sans aide. Donc, on va prendre. Oh, putain, j'hésite. Parce que si, c'est que ces personnages-là sont déjà runés. Et ont déjà du niveau en plus. Mais l'idée, si je dis pas de conneries, je vais quand même vérifier ça. L'Amazone, c'est un perso que beaucoup de personnes utilisent, il me semble. L'Amazone vent qu'on a, voilà, je vais vite regarder. Logiquement, ça devrait être celle qui nous utilisera, enfin, qui sera le plus utile. Ça c'est les succubes. Où est-ce qu'elles sont? Après oui, il y a un autre truc que je vais vous montrer. Pour le moment, il y a un petit event dans le donjon de Kairos. Voilà, c'est le hall des héros. Ça reste 3 jours, je pense, et vous pouvez dropper. Je sais pas si on le verra là-dedans. Enfin, des pièces. Ah, si on peut le voir.
des pièces d'invocation de la sirène. Et la sirène, c'est un personnage 4 étoiles qui est vent et qui est pas trop mal, je veux dire, pour pour les gens au début du jeu. Voilà, l'Amazon. Oh, elle a une cote de merde en fait. On n'a pas eu trop de chance en fait sur le level 1. Donc les gens les jouent full dégâts. Apparemment, elle est forte contre les tanks. Et la zone où on est, il y a beaucoup de mecs avec beaucoup d'HP parce qu'en fait, la deuxième. Ah, ça tape sur les pourcentages d'HP en fait. D'accord. Ouais, je pense qu'on va quand même utiliser. Et alors, le Taoïs, je vais quand même regarder. Vite fait. Comme ça, j'aurais tout regardé. On pourra pas dire que je regarderai pendant les combats et tout. Comme ça, on sera vraiment fixé. Où est-ce qu'il est, le taoïste? Là, le voilà. Lui aussi, il a une cote de merde, apparemment. Parce que c'est le moins fort, entre guillemets, des taoïstes. Mais les gens disent qu'au début du jeu, franchement, il est pas mal. Rage ou plaie, il retire. Bon, il n'y a pas beaucoup d'HP. C'est con parce qu'en fait on a eu pas mal de persos, mais au final ils vont pas nous servir à grand chose. Donc du coup je pense qu'on va tout simplement continuer avec les persos qu'on avait déjà. Et dans la mesure du possible, quand on aura vraiment besoin, on en montrera des autres. Mais je pense que dans un premier temps on n'en aura pas besoin. Donc ce qu'on va faire, on va avancer dans le scénario avec les 4 persos qu'on avait déjà. Voilà. Et on est parti. On va essayer d'aller le plus loin possible. Merde, j'aurais dû activer le bonus XP. Tant pis, c'est pas grave. Ah ben, parfait. Ça commence bien. Il m'a entendu que je voulais mettre le truc et il s'est coupé. J'ai ça. Enfin, ça m'arrive assez souvent, ça, pour le moment. Genre, le jeu se coupe. Et puis je relance et tout va bien. Donc, c'est pas une question de connexion ou quoi, je sais pas. J'ai regardé un petit peu sur des forums et tout ça. Il y a plein de gens qui ont ça. Et apparemment, c'est depuis qu'il y a eu la mise à jour pour les nouveaux iOS. Donc voilà, bonus XP, on va l'activer. Voilà, on va envoyer. Ben non, je l'ai déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le shop? Parce que j'ai pas regardé les runes en fait. Fatal, non. Non, bah, y a pas grand chose. Donc, on va y aller. On va monter nos persos comme ceci. Donc, l'idée c'est que là, on va essayer d'avancer dans le scénario. Donc, essayer de clean rapidement la première zone, je veux dire. Genre, la première grosse zone du scénario. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent voir ce qu'il écrit, vous faites des pauses. Ou alors, vous installez le jeu et vous avancez. Voilà. Honnêtement, la connexion la fonctionne pas trop mal, donc j'en profite. Et mais je vais quand même essayer de vous refaire quand même un épisode par jour comme j'avais prévu. Essayer de garder dans le format 30-35 minutes, comme ça ben, c'est pas trop long à regarder non plus. Et comme ça, moi je dis surtout ça, je peux en enregistrer plusieurs d'affilée et du coup vous les sortir au fur et à mesure de la semaine. Parce que voilà. Là par exemple ce week-end j'aurais pas le temps d'en faire une seule, donc je vais essayer de les tourner tout aujourd'hui comme on est vendredi. Et ben, comme ça vous verrez le reste. Donc voilà. L'XP est doublé hein, là puisqu'on a activé le boost, donc c'est normal que nos personnages vont évoluer assez facilement. Un vélin inconnu, ça c'est bien. Un petit souci, nanana, étape suivante. Logiquement, quand on sera au boss, je vais prendre l'aide d'un personnage ami. Parce que le boss, en fait, c'est vraiment. Quand vous commencez le jeu, genre, c'est super facile, entre guillemets, jusqu'au moment où vous arrivez au boss de cette zone-ci. Là, c'est vraiment l'endroit où tout le monde bloque la première fois. Parce que, ben voilà, c'est Sigmarus, c'est un phénix comme ça, il est assez fort. Donc, du coup, c'est toujours bien d'avoir des amis pour. Enfin, des mobs d'amis pour vous aider. Parce que ça vous permet d'aller plus loin dans le scénario. Et comme là, ben, je tourne une vidéo et que j'ai pas envie, genre, de galérer pendant une demi-heure sur un seul boss. Je vais utiliser, enfin, on va l'essayer sans. Et si genre on n'arrive vraiment pas, on prendra l'aide d'un ami. J'ai vu qu'il y avait une Katarina ou un truc comme ça dans nos amis. Ça c'est toujours cool. Ce que je vais faire aussi, on m'a conseillé, c'est faire un canal. Donc pour les abonnés, donc on va créer le canal. C'est de, on va le faire
8000, ah oui. Canal 8000. Comme ça, à chaque fois que je fais une vidéo, si vous voulez passer un coucou ou passer à l'écran là au-dessus dans le truc information, bah, venez dans le canal 8000, vous me posez une question. Sinon, en général sur serveur Europe, enfin pour ceux qui jouent pas sur serveur Asie mais sur serveur Europe, je suis connecté sur le channel 1500. Donc voilà, je vous mettrai ça aussi dans la description si j'oublie pas. Encore un VLAN. Donc là on a beaucoup d'énergie et on risque de monter de niveau. Merde, il y a mon frère qui me dit tu peux venir, mais c'est pas grave. Je vais lui dire. C'est pas grave, on démarrera dans 5-10 minutes, c'est pas grave. Au pire, je continuerai après, c'est pas grave. Voilà. Hop là. On va essayer d'aller jusqu'à Sigmarius. Et si à Sigmarius, genre, on n'arrive pas, ben, je couperai la vidéo ici. Et je recommencerai pour l'épisode 4, du coup. Après avoir été chercher mon frère. Donc voilà. Le truc qui va être casse-couille, c'est les ours. Parce que voilà, les ours ont beaucoup d'HP. Ils ont un petit sort comme ça qui leur permettent de reprendre de la vie, d'augmenter leur armure du coup. En fait, l'idée, ce serait vraiment bien, c'est qu'on drop un ours comme ça. Parce qu'au début du jeu, ça va vraiment nous aider, parce que c'est un gros farmer. Et genre, ça va nous permettre d'avancer vraiment loin dans le jeu grâce à ce personnage-là. Donc on va essayer de... Enfin, avec un peu de chance... Ah non, c'est le Yeti. Merde, j'allais dire putain, mais le voilà et tout. Non, c'est le Yeti. Les Yetis sont très bien, mais les R et les feux sont beaucoup mieux. Le O sert un petit peu à rien. Donc c'est un peu con, mais ça devrait aller. On va essayer de dropper ce qu'il faut. Au pire, si genre ça met vraiment du temps à dropper, j'essaierai de le faire hors vidéo, comme je vous avais dit. Donc là, le Gaero est vert. Ouais. Ouais, je vais essayer de l'avoir sur mon gros compte. Le hall des héros, mais version R. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo sur mon gros compte après. Comme ça, je fais pas que de l'aventure suivie. Et pour ceux qui demandent pourquoi je fais pas de vidéo de Tofus pour le moment, bah c'est simplement parce que il y a tout le monde qui est en vacances, ou genre tout le monde qui ne joue pas, ou qui a changé de serveur, donc du coup je suis en train de rapatrier tout le monde. Et bah quand tout le monde sera revenu, bah je pourrai jouer un petit peu avec les potes. Peut-être que je changerai de serveur ou quoi, mais là je suis même plus abonné en fait pour tout vous dire, donc faudrait que je me réabonne et tout ça, mais pour moi je suis pas trop motivé parce que bah, y a pas grand monde qui joue. Et il y a plein de problèmes avec Ankama, enfin. C'est les premiers avec Wakfu, tout ça. C'est assez long à expliquer. Voilà. Voilà, encore un vélin, putain, décidément. On a droppé 3 sur 4 trucs et dans le quatrième, c'était un mob, quoi. Enfin... En plus, on n'était pas loin parce que les mobs 2 étoiles en général, c'est genre. Le deuxième meilleur truc que tu peux dropper sur la zone, après, il y a les mobs 3 étoiles, donc il y en a un par zone. Enfin, un ou deux par zone, ça dépend. Genre, il y a une zone où il y en a deux, je sais bien, avec le griffon, qu'on va devoir dropper à un moment parce qu'il est trop utile. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout garder, entre guillemets, les mobs qui vont nous servir. Donc pour le moment, on n'a pas genre chopé un mec, genre il le faut, quoi, tu vois. Genre, on doit le garder. Et faut jamais le foutre parce que c'est un mob super utile qui peut monter jusqu'à 6 étoiles, niveau 40 et tout. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Donc c'est pour ça que genre je fais des petits achats sur le côté, je garde des trucs et tout ça. Mais quand genre on aura vraiment un bon truc, là je vous le dirai, faut le garder, faut le ruiner et tout. L'idée c'est qu'en fait, je vais aussi vous faire une vidéo. C'est genre quel mob, genre 2 étoiles, il faut garder parce qu'il y a des mobs 2 étoiles qui sont très très bons. Et je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos sur Summoner War parce que voilà, genre je suis pas hyper loin dans le jeu, je suis niveau 30 ou 31 je crois sur mon gros compte, mais genre je cherche sur internet toutes les ressources qu'il y a moyen parce que j'aime vraiment bien le jeu et j'ai envie de me ben, genre de devenir meilleur au possible. Et donc je cherche beaucoup de choses sur internet et j'ai trouvé beaucoup de sites super sympas qui expliquent plein de trucs, des gens très haut classés qui genre disent comment il faut faire au début du jeu et tout ça. Donc c'est pour ça, c'est ces conseils-là que je vais essayer de vous apprendre dans cette série de vidéos.
Et je vous ferai sûrement des vidéos parce qu'on me l'a demandé, genre quel personnage 2 étoiles, quel personnage 3 étoiles je dois garder. Donc je vais essayer de vous le faire parce qu'il y a vraiment des personnages très très utiles qui peuvent. Enfin, qui peuvent être utilisés. Allez, on avance dans le scénar. Allez, hop. Check, check. Voilà, le serveur, franchement, au début du jeu, ouais, il a mis un critique à 1200. Enfin, c'est. En plus, il tape deux fois. Enfin, il est vraiment bien. Il est très squishy, malheureusement. Donc, il a très peu d'HP. Mais il fait énormément de dégâts. Et comme là, on a un heal plus le Théon, là, qui le. Enfin, le Garuda qui peut le. Qui peut le lui rendre son. Enfin, sa speed. Genre, il peut réattaquer une deuxième fois derrière. Enfin, c'est vachement utile, en fait. Du coup, on va vraiment l'utiliser au début. En plus, il est très facile à augmenter les sorts parce que c'est un mode 2 étoiles. Donc, du coup, enfin, c'est très facile pour monter ces sorts. Puisque les mobs 2 étoiles. Merde, pourquoi je l'ai vendu? Bon, voilà, on est au boss. On va le tenter comme ça en freestyle. Si ça passe pas, ben, on se dira au revoir. Bon, on est déjà à 26 minutes. Enfin, même si ça passe, on dira quand même au revoir. Comme ça, on fera zone par zone. Et comme ça, je peux aller chercher mon frère et je referai une vidéo, une suite de vidéos juste après. Profitant que la connexion va bien. Enfin, bien. Elle n'est pas dégueu, on va dire. Voilà, c'est pour ça en fait que les gens galèrent sur cette zone, c'est que le Cerbère se fait démolir. Parce que comme c'est full mob haut, en fait, le Cerbère, lui, qui est feu, se fait couper en deux. Du coup, c'est pour ça que je pensais, si ça passe pas, limite, je vais essayer avec l'Amazone, même si elle est niveau 1. Ça tape sur les max HP, donc ça peut toujours être utile. Allez hop, retape une deuxième fois, parfait. Enfin, je crois que même avec ces trois-là, il y a peut-être. Bon, on va voir. En général, c'est ici que tout le monde galère, voilà. Donc, ça, c'est un mob qu'on peut essayer d'avoir, mais avec des fusions, c'est genre un des trois meilleurs mobs du jeu qu'on peut avoir en fusion. Donc, il est assez violent, il s'appelle Sigmarius. On va le tenter en auto. Donc voilà. Voilà pourquoi tout le monde galère. Voilà. Je crois que vous avez compris pourquoi. Allez hop. Et voilà. Genre tout le monde galère ici, vous avez compris pourquoi. Hein. Je n'ai rien dit pour vous laisser admirer le truc. On a mieux maintenant. Oh oui, mais c'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais utiliser le mob d'un pote. Enfin, d'un de vous, en fait. Parce que c'est un mob d'abonnés. Parce que j'ai accepté absolument tout le monde. Enfin, toutes les invites. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever le Cerbère. On va prendre Katarina. Et voilà. Attendez, là, quoi comme. Enfin, la Valkyrie. Elle est dans l'arène. Voilà. Ah, vous allez voir, là, ça va changer tout de suite, hein. Genre franchement c'est un truc que je vous conseille, essayez d'ajouter un maximum de personnes, genre dans vos potes et tout ça, et même dans le chat, hein, où j'ai trouvé un chat qui parle en français, il y en a plusieurs. Et voilà. Il a calmé le perso. Hein. Mais genre ça peut vraiment vous aider à aller plus loin dans le scénario, et il n'y a aucune personne, parce que j'ai vu des gens sur les forums qui parlaient, oui j'ai peur que ce soit un peu genre de la triche, parce que j'utilise les mobs d'un ami et tout ça, mais non, c'est. Le jeu est fait comme ça en fait. Il faut que vous ayez des amis pour aller plus loin, sinon vous resterez bloqué. Enfin, genre vous n'allez pas apprécier. On va lui dire focus le boss. Allez, bim. Et voilà. Donc voilà, c'est plus facile hein, tout de suite. Donc voilà, je vous conseille d'ajouter des gens, même des gens entre vous, entre abonnés. Il n'y a pas de souci, essayez genre de communiquer dans le chat s'il y a quelqu'un. Par exemple, là, le mob de la Katarina là, que je viens d'utiliser, je n'ai pas regardé c'était à qui le pseudo, mais en revenant en arrière dans la vidéo, vous pouvez trouver, limite, essayer de voir dans le chat s'il est là, et s'il peut vous accepter, si vous êtes vraiment bloqué à Sigmarus et que vous avez envie d'avancer. Donc voilà, on va voir, on parle à Durand, il va nous dire qu'il ouvre la prochaine zone. Et on est pile à 30 minutes, donc c'est parfait. Voilà, allez hop, on passe, on passe. Voilà, la forêt de terre. Parfait, on va récolter ça. Donc on va se dire bah, tout à l'heure hein, pour le prochain épisode. Enfin, vous, ce sera demain. Donc je vais essayer de la poster maintenant.
le temps que j'ai cherché mon frère. Comme ça, je vais essayer de vous tourner la suite juste après. Et je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer le hall des héros. Et aussi, je vais faire une vidéo pour vous dire quel mob 2 étoiles vous devez garder. Comme ça, ce sera en concordance avec la série. Si genre vous continuez et vous attendez pas, genre que moi j'avance, comme ça, vous savez quel mob vous devez garder. Et pour pas faire de conneries. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ou pour une autre vidéo sur la chaîne, je vous dis à très bientôt, ciao ciao!